Bon, eh ben aujourd'hui on va faire la recette des spéculoos. Vous savez, ces petits gâteaux-là belges qui servent pour faire le tiramisu aux spéculoos. On les achète souvent de fois, mais bon, c'est mieux de les faire quand même. Voilà, donc pour ça, il nous faut de la cassonade. Il nous faut 250 g de sucre roux. Bon, je vous donne les ingrédients dans l'ordre où on va les mettre dans la recette, hein. Alors, 250 g de sucre roux, 3 g de cannelle. Ça représente une cuillère à café. 3 g de 4 épices. Les épices 4 épices, ça sent. Ça sent très bon. Voilà. Ensuite, il nous faut 250 g de beurre. Du beurre bien mou, hein, comme d'habitude en pommade, hein, pour pouvoir bien mélanger. Ensuite, on a un œuf, un seul. Un seul œuf. Et 350 g de farine. Voilà. Et un demi-paquet, on va s'en servir que de la moitié. Un demi-paquet de levure chimique. Voilà. Puis les ustensiles. Un petit saladier, une cuillère, un fouet, un ciseau, et puis voilà. Hein. Et puis l'huile de coude. Voilà. Donc on va commencer par mélanger, par mettre le sucre roux dans le saladier. Voilà, on met tout. Ensuite, on met la cannelle. Voilà. Ensuite, on met nos 3 grammes de. Ah, oh putain, il y a un souci. Non, non, ça rentre pas. Bon, voilà. On va les mettre comme ça. Hein. Pareil, 3 grammes à peu près. Hein. Une cuillère à café. Da. Voilà, 3 grammes de 4 épices. Voilà, on mélange tout. Pour l'instant, c'est pas compliqué. Hein. Mais c'est pas compliqué du tout. Voilà, ensuite, on met le beurre. Mou. Regardez, il est beau, il est, tiens, il est nickel. Voilà, ça, c'est vraiment. C'est le beurre à la bonne consistance. Hein. Je les ai foutu un petit peu vers le radiateur. Regardez. Voilà. Hop. On mélange. Voilà. Bon, je reviendrai quand ça sera.